Bonjour amis de la parole et aussi bonjour à ceux qui découvrent notre espace pour la première fois. Je suis Louise du blog ilestécrit.com. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. On va s'attaquer aujourd'hui à une question qu'on doit se poser au moins une fois au cours de sa vie chrétienne. Pourquoi Jésus devait-il naître à Bethléem? C'est le genre de question à laquelle j'aime répondre en disant « Ben c'est Dieu, il fait ce qu'il veut ». Un écrivain, fait ce qu'il veut dans le choix de son histoire, de ses personnages, il choisit jusqu'à la couleur de leurs chaussettes, alors bah Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Cette réponse a du sens, n'est-ce pas? Mais quand même, je dis souvent que notre Dieu, il est trop fort. Avec lui, il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a une raison à tout. Si on passe sa vie à étudier la Bible, on devient dingue tellement c'est riche, on apprend sur tous les sujets. Aussi, Dieu ne fait vraiment rien au hasard. Regardez la création, une fourmi a autant sa place et sa fonction dans la nature qu'un lion. Regardez le corps humain, sur notre corps, tout a sa fonction, tout a son importance. Même les poils que nous rasons tous les jours nous servent à quelque chose. Donc, si sincèrement Dieu a pensé à me donner des sourcils pour dévier la course de la sueur, de la poussière, bref, pour protéger mes yeux. Forcément, il a une raison derrière le choix de Bethléem. Alors, ça vous intéresse? Vous voulez goûter un peu de la bonne culture selon Dieu? Alors, c'est parti pour notre petite virée dans « Il est bon de savoir ». Alors, vous aimez un peu mon petit jingle? Oui, non, vous le trouvez bizarre? Ça ne vous met pas de bonne humeur? Moi, si, ça me met de bonne humeur, donc j'espérais que vous aussi. Mais bon, passons. Donc, avant de répondre à cette grande question qui est « Pourquoi Jésus devait-il naître à Bethléem ?» Eh bien, à ma grande surprise, il y a des débats sur Internet qui jettent le doute sur le lieu de naissance de Jésus. Donc, nous allons premièrement recadrer les choses en commençant par le commencement, qui est la Bible. Dans le deuxième chapitre du livre de Matthieu, nous lisons aux deux premiers versets, « Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Nous disons souvent « Jésus de Nazareth » parce qu'il habitait Nazareth, mais il est bien né à Bethléem. Certains débattent sur le lieu de la naissance de Jésus, car la Bible donne deux versions différentes, celle de Luc et celle de Matthieu. Chez Luc, Joseph, époux de Marie, habitait Nazareth. À cause du recensement ordonné par l'empereur, il quitte son village pour se faire inscrire dans la ville de Bethléem. Or, Marie, à ce moment-là, étant enceinte, le temps d'accoucher arriva. C'est ainsi que Jésus serait né à Bethléem. Donc, je vous conseille de lire Luc au chapitre 2. Chez Matthieu, Joseph habite Bethléem, lieu où Jésus viendra au monde. Mais Joseph doit fuir avec Marie et son enfant devant la colère du roi Hérode. Il s'enfuit en Égypte pour un certain temps jusqu'à la mort d'Hérode. Après cet exil, Joseph est obligé de s'expatrier de nouveau pour éviter de se soumettre au régime du successeur d'Hérode. C'est donc là qu'il décide de s'établir à Nazareth. Vous pouvez également lire ce passage dans Matthieu au chapitre 2. Il n'y a même pas de quoi débattre parce que malgré ces deux versions, les deux livres confirment que Jésus est né à Bethléem. Donc en fait, s'il y a débat sur le lieu de naissance de Jésus, en tout cas, c'est pour ceux qui aiment débattre pour débattre. Nous, nous prenons pour vérité ce que nous dit la Bible. Elle nous dit que Jésus est né à Bethléem, alors cela nous suffit. D'autre part, dans le livre de Michée au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 2 « Mets-toi Bethléem, Ephrata, qui est petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où, elle,
ou celle qui doit enfanter enfantera, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Alors, c'était annoncé dans l'Ancien Testament et confirmé dans le Nouveau, donc le débat est clos. Ce passage est même cité dans le livre de Matthieu pour dire à Hérode où le Messie devait naître. Alors maintenant que nous avons rétabli la vérité sur son lieu de naissance, pourquoi Bethléem ? Lorsque vous ferez vos recherches sur Internet, la réponse de beaucoup à cette question est qu'il fallait qu'il naisse à Bethléem pour accomplir la prophétie du prophète Michée que nous venons de citer en introduction, donc dans Michée au chapitre 5 à partir du verset 2, « Mets-toi Bethléem Ephrata qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. » J'aurais donc pu m'arrêter là. Après tout, c'est une réponse logique et biblique. Mais avec Dieu, c'est en creusant qu'on trouve des pépites de savoir. Alors, ce fut une tâche ardue pour moi. Je ne suis pas une grande fan d'histoire et de géographie, mais bon, il fallait se jeter à l'eau. Je vais essayer d'être claire du mieux que je peux. Mais avant, j'ai commencé par rechercher dans le nom même de la ville s'il y avait une réponse. Le nom Bethléem renvoie à deux significations. La maison du pain, en hébreu, mais aussi maison de Laham. Laham étant probablement une ancienne divinité cananéenne. C'est donc déjà très fort que Jésus y naisse. Il vient marquer de sa présence le fait que cette ville autrefois consacrée à une divinité païenne ne lui appartenait plus, mais désormais appartenait à Jésus. Il vient prendre sa place. Dès sa naissance, il marque son territoire. D'autre part, quand on entend « maison du pain », on pense à Jésus qui a dit « Je suis le pain de vie » dans Jean au chapitre 6, verset 35. C'est donc la ville du pain de vie, la ville du Messie. Bethléem, c'est une petite ville à environ 10 km de Jérusalem, à 2 heures de marche. Il s'agit d'une ville assez humble et elle n'aurait donc jamais été annexée dans l'histoire biblique. C'est la ville du sacre de David, le berger devenu roi, ou de Ruth, l'étrangère qui accueille le Dieu d'Israël. C'est donc la ville où naît le Messie dans une étable, le sauveur du monde Jésus, dont le nom sera élevé au-dessus de tous les noms. C'est juste magnifique, la ville de naissance du charpentier devenu roi. Pour comprendre la Bible, il faut saisir que Dieu parle dans deux contextes, celui de l'espace et celui du temps. Si on prend une carte représentant le Moyen-Orient et une autre carte de la Terre promise, on saisit encore mieux le plan de Dieu. Je vous invite à trouver ces deux cartes sur Internet ou si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez les voir en vidéo. Si on regarde la carte du Moyen-Orient de l'époque de Jésus, on voit un axe qui s'appelle le croissant fertile. Ce croissant reliait de grands cours d'eau. D'un côté, le Nil et de l'autre, le Tigre et l'Euphrate. Ces deux extrémités sont des vallées très fertiles. La vallée du Nil, donc, et de l'autre, la Mésopotamie, qui signifie en fait le milieu des fleuves. Il s'agit donc de ces deux fleuves qui sont le Tigre et l'Euphrate. Et au centre de ces deux axes, fertiles, était le centre des pouvoirs du Moyen-Orient de l'époque. Donc, tout l'Ancien Testament est une série de combats entre ces pouvoirs, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie et Babylone. Et au milieu de ces deux axes de pouvoir, il y a la Terre promise. Et donc, à chaque fois que les nations de chaque extrémité devaient s'affronter, ils devaient passer par la Terre promise, qui était en fait le carrefour du monde. Israël était en fait au carrefour des nations. La Terre promise représentait un corridor par lequel passait la route de l'Europe à l'Arabie et de l'Afrique à l'Asie. Et ces axes se croisaient à un endroit appelé la colline de Megiddo, qui est en fait
en hébreu, Armageddon, lieu où de nombreuses batailles se sont déroulées dans l'histoire du monde. Et pas loin de ces grands axes de voyage, il y a un petit village nommé Nazareth, d'où on pouvait en fait voir tout le trafic ou flux du monde. On pouvait y voir passer toutes les nationalités du monde, et c'est pour cela qu'on appelait cette partie la Galilée des nations, c'est-à-dire le cercle des nations. En fait, Dieu voulait positionner son peuple au carrefour du monde où tout le monde pouvait le voir. Si vous vous rappelez bien, dans le livre de Josué, beaucoup de peuples entendaient parler des prodiges d'Israël et de son Dieu. On pouvait se demander comment l'info voyageait aussi vite à l'époque. C'est parce que toute cette zone de la Terre promise était un carrefour où il y avait un grand mouvement et des échanges entre nations. Il est écrit dans Ézéchiel 5:5 « Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, c'est là, cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays qui l'environnent. » C'était donc le plan de Dieu de placer ainsi son peuple au cœur des nations. Donc, le monde pouvait observer un peuple béni de Dieu, mais aussi ce même peuple, châtié par Dieu lorsqu'il lui désobéissait. Donc, le ministère de Jésus, qui s'est fait en majorité en Galilée, a probablement touché le monde. Il n'a pas eu besoin d'aller dans le monde, puisque le monde venait à lui. Il était, après tout, fils de Dieu, Dieu incarné. C'est à nous, ses disciples, que la tâche a été donnée d'aller vers le monde, vers les nations. Donc, le sauveur du monde ne pouvait naître qu'à ce carrefour d'où il serait vu de toutes les nations, dans Bethléem, la ville du pain de vie. J'espère que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dont il est bon de savoir. Ciao !